je crois qu'avant d'attendre que les autres nous aident, il faut s'aider soi-même. Voilà, c'est-à-dire que si on prend... Non, mais... Mais on est bien d'accord. Que l'on prenne les décisions drastiques en disant, voilà, maintenant, notre façon de vivre, elle est celle-là. Nous vous accueillons, ma condition, que vous soyez dans cet engagement-là. Vous allez franchir le seuil d'une république. Dans une république telle que nous la concevons et l'ont imaginé nos ancêtres, on n'a pas de comportement religieux. Vous serez bien accueillis, et la meilleure preuve, c'est que l'on voit les allocations que l'on accorde aux uns et aux autres. Je défie quiconque de dire qu'en France, s'il s'affiche musulman mais en discrétion, que l'on va le pénaliser de quoi que ce soit. Il touche ses allocations, on lui trouve un logement, etc., etc. Non mais oui, c'est important France, parce que c'est pas ce que l'on nous dit. Alors on dit maintenant on campe sur ces positions-là, on sera drastique. Si vous ne voulez pas être citoyenne et citoyen, vous comportez en discrétion religieuse tout en manifestant votre foi dans l'intimité, eh bien vous devez, et même si vous êtes français, interrogez-vous parce qu'il y a des Français et musulmans, eh bien, à ce moment-là, vous ne pouvez pas bénéficier des avantages de la République. Et qu'après, d'autres nous aident, d'accord.